Bonjour, salutations d'expansion World of Life. Oui, nous voilà donc à notre deuxième jour, aujourd'hui mardi 6 juillet, de notre exhortation la semaine où le pasteur nous exhorte sur le cœur. Et nous, pour nos dévotions matinales, nous parlons de la stagnation. Oui, aujourd'hui nous allons prier pour sortir de la stagnation, pour dire que oui, la stagnation est terminée. Game over. La stagnation est finie dans nos vies. Amen. Mais avant tout cela, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce nouveau jour. Oui, sa bonté se renouvelle tous les jours pour nous, notre Créateur, il nous fait merveille. Et encore aujourd'hui, il veut renouveler pour nous ses bontés. Donc rendons-lui grâce parce qu'il a tout prévu pour nous. Cette journée, il l'a déjà écrite pour nous. Alors nous rendons grâce pour les merveilles qu'il va faire dans nos vies. Rendons grâce pour la protection qu'il va nous donner. Rendons grâce aussi pour toutes ces bonnes choses, tous ces bienfaits pour lesquels il nous a convoqués pour réaliser cette journée. Oh oui, merci Père éternel pour tes bontés dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Oui, ta main puissante nous protège, nous sort de toutes les embuscades que le malin prévoit pour nous. Père éternel, nous te disons merci. Nous voulons vraiment élever la voix, élever nous, tourner nos cœurs vers toi pour que tu puisses voir encore une fois nos cœurs qui sont remplis, remplis de gratitude, remplis de reconnaissance vis-à-vis de toi, notre Créateur. Oui, tu nous as créés, mais tu veilles encore sur nous chaque instant de nos vies. Nous te disons merci pour cela. Gloire et honneur à ton Saint-Nom. Merci, Père. Amen. Donc voilà, ce matin, nous allons prier. Prier pour dire oui, la stagnation dans nos vies est terminée. Frère, oui, le temps est venu. Il est Seigneur, et le Seigneur nous dit en Deutéronome 1, versets 6 à 7. Oui, vous avez séjourné assez longtemps sur cette montagne. Levez le camp et avancez. Oui, nous avons suffisamment longtemps stagné sur cette montagne. Sur cette montagne de chômage, de rancune, de pauvreté, d'ivresse, d'immoralité, de colère. Oui. Salutations d'expansion Word of Life et bienvenue à l'hôtel de prière matinale de ce jour. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. De notre côté, nous allons très bien. Le Seigneur est sur son trône, il est au contrôle de tout et nous lui rendons toute la gloire. Alors, nous allons passer à notre méditation de ce jour. Bien avant cela, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta main, merci pour ta vie, ta paix dans nos vies. Que ton nom soit exalté et béni, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci pour toutes choses et que ton nom soit exalté et glorifié au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Merci Belvida pour la prière d'introduction. Bon, voilà. Je suis en train de parler du cœur. Je sais que le sujet sur le cœur est un sujet très capital et un sujet très important. Au fait, c'est un sujet de rappel à l'ordre pour que nous puissions éviter certaines déceptions que nous connaissons dans la vie, tout simplement parce que nous nous sommes fiés aux apparences, tout simplement parce que nous n'avons pas prié avant de nous engager, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, dans le ministère, voilà, on n'a pas consulté Dieu. Aujourd'hui, je veux continuer avec le même sujet. Mais je vais vous donner un thème qui sera un tout petit peu long, mais voilà. Dieu ne rémunère pas ce que tu fais. Il rémunère ce que tu fais avec ton cœur. Voilà le thème d'aujourd'hui. Il ne rémunère pas ce que tu fais. Il rémunère ce que tu fais avec ton cœur. En matière d'introduction pour le message d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire savoir que Dieu est
le rémunérateur. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. C'est ça la rémunération. Tu cherches d'abord le royaume et Dieu ajoute les autres choses. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, 58, la Bible déclare, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est pour dire que le Seigneur rémunère. Dans Apocalypse 22, verset 12, la Bible déclare, ça c'est Jésus qui dit, que voici, je viens. Et je viens avec la rétribution avec moi. Donc Dieu est le rémunérateur. Gloire à Dieu. Donc c'est pour dire que, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit que notre travail n'est pas vain. Notre travail n'est pas vain, mon frère. Nous ne venons pas à l'autel de prière matinale chaque matin en vain. Nous ne postons pas les vidéos telles que nous les faisons comme ça en vain. Tu vas à l'église, tu ne vas pas en vain. Tu donnes tes offrandes, tu ne donnes pas en vain. Tu donnes tes dîmes, tu ne donnes pas en vain. Tu sers les pauvres, tu ne sers pas en vain. Et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, il y aura des gens à qui Jésus dira, entrez dans la joie de votre maître, entre dans la joie de ton maître. J'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais étranger, tu m'as recueilli, j'étais en prison, tu m'as visité. Ça veut dire que Dieu est le rémunérateur. S'il vous plaît, écrivez ça dans votre cœur, écrivez ça dans votre esprit, que nous ne servons pas Dieu en vain. Dieu paye ceux qui le servent. Comme je le disais, il ne paye pas tout le monde. Il paye, que dis-je? Il rémunère ceux qui le servent avec leur cœur. Quand nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 15, versets 8 à 9, Jésus dit, ce peuple m'honore en vain. Ils m'honorent de la bouche, mais leur cœur est loin de moi. Donc vous voyez, le Seigneur ne rémunère pas tout le monde. Il rémunère ceux qui servent avec leur cœur. Voilà. C'est pour dire en d'autres termes que si tu fais ce que tu fais, sans ton cœur, aux yeux de Dieu, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi Jésus dit en vain. En vain, ça veut dire quoi? En vain veut dire tu n'auras pas de récompense. En vain veut dire Dieu ne te payera pas. En vain veut dire, c'est une perte de temps. En vain veut dire perte d'énergie.
C'est si sérieux que ça. Peux-tu imaginer que tu sois très occupé dans ce que tu fais, tu es très occupé, très occupé, tu t'engages corps et âme juste pour que tu reçoives peut-être une récompense, tu entends le Seigneur te dire, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Est-ce que vous imaginez la frustration? Voilà pourquoi je pose la question à chacun, à chacune qui entend ce message. Es-tu sûr que tu seras récompensé? Alors, je vais vous aider. C'est au fait cela le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais vous aider à réfléchir ensemble selon la parole de Dieu. Qui sont ceux que Dieu ne va jamais récompenser? La réponse est simple. Dieu ne récompensera jamais les hypocrites. Voilà. Quand vous lisez Marc chapitre 7, le verset 6 à 7, Jésus parle aux religieux et dit, Ésaïe a prophétisé sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Et Jésus dit, c'est en vain. Voilà. Donc, c'est clair que les hypocrites n'auront jamais leur récompense. Voilà. Bon, je sais que quelqu'un va me poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là, pasteur? Qu'est-ce que ça veut dire hypocrite? Ne vous en faites pas, je vais vous répondre. Mais déjà, par définition, l'hypocrite, selon la définition étymologique du mot hypocrite, selon le grec, l'hypocrite, c'est l'image des comédiens. Vous voyez, les comédiens, les acteurs de films. Dans l'ancienne grecque, on les appelait des hypocrites. Hypocrites, pourquoi? Parce que ils ont double face. Vous allez voir quelqu'un qui fait un film. Dans le film, il est le mari de quelqu'un d'autre. Et la femme, cette femme-là, est la femme de cet homme-là. Dans le film, ils sont mariés. Dans la réalité, ils ne sont pas mariés. Voilà, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrite, ce sont des comédiens. Voilà. Donc, tu comprends? Dans l'église, on a des comédiens. Voilà. On a des chantres comédiens. Voilà. On a des pasteurs comédiens. Voilà. On a des prédicateurs comédiens. Et voilà. On a des chrétiens comédiens. Voilà. Donc c'est ça, si on peut appeler, si on peut utiliser le mot hypocrite dans notre contexte d'aujourd'hui, ce sont des comédiens, ce sont des acteurs de films. Ils ont une face officielle et ils ont une face officieuse. Ils ont une face que tout le monde connaît. C'est un peu comme les folklores qu'on voit ici. Les folklores qu'on voit, il met de la poudre sur son visage. Il se gonfle tout autour là. Et puis juste pour faire rire les gens. Et puis après, il a une autre face dans sa maison. Il est papa, il est père de famille, il a des enfants et tout. Alors, c'est deux vies différentes. C'est ça l'hypocrite. C'est ça l'hypocrisie. Alors, je vais vous donner, selon les Écritures, les caractéristiques des hypocrites. Parce que je dois vous dire la vérité, les hypocrites ne seront jamais rémunérés. Alors, je prie que toi qui m'écoutes, tu ne seras jamais un hypocrite. Qui est l'hypocrite? L'hypocrite, c'est celui qui va à l'église, mais il ne va pas avec son cœur. Qui est l'hypocrite? L'hypocrite, c'est celui qui lit la Bible et il ne lit pas avec son cœur. Qui est l'hypocrite? L'hypocrite, c'est celui qui donne. Il donne des offrandes. Il donne des dîmes. Mais il ne donne pas avec son cœur.
peut même donner des voitures, des maisons. Mais son cœur n'est pas là. Et même l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, si je puis donner mon corps pour être brûlé au feu, si je n'ai pas l'amour, cela est en vain. Ça veut dire, je peux faire des actes qui impressionnent les gens, mais qui n'impressionnent pas Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu fais avec ton cœur. Voilà. Qui est l'hypocrite? L'hypocrite est beaucoup intéressé à son apparence. Comment apparaître aux yeux des gens? Voilà l'hypocrite. Mais à l'intérieur de lui, c'est une pourriture. Matthieu 23, 25. Je lui dis, malheur à vous, les scribes et les pharisiens, parce que vous embellissez l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Beau à l'extérieur, beaucoup de maquillage, c'est pas mal, mais l'intérieur, c'est le plus important. Des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour le lait de beauté. Les parfums, c'est bon, c'est pas mal. Embellis-toi. Mais qu'en est-il de l'intérieur, de ton cœur? C'est ça le problème. Jésus dit, malheur à vous. L'hypocrite est plus concerné, plus intéressé à l'activité, pas à la connectivité. Il est, comme on dit en anglais ici, il est busy. Busy. Courir, pas ça et là. Tu vois, il est très occupé, très engagé. Tu dis, oh, waouh, cette personne, elle est très engagée. Mais c'est vide. Cet engagement-là n'est pas du cœur. C'est ce que Jésus disait à Marthe et à Marie. Il dit, mais Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et la bonne part de Marie ne lui sera point ôtée. Matthieu 23, 23, Jésus dit encore, malheur à vous. Vous payez la dîme, du cumin et tout, mais vous négligez ce qui est essentiel dans la loi. La justice, la miséricorde. Qui est l'hypocrite? L'hypocrite est beaucoup plus intéressé à la gloire des hommes. L'hypocrite fait tout ce qu'il fait pour que les gens le glorifient, pour que les gens le félicitent, pour que les gens lui disent, oh, tu as donné tout ça, oh là là, ben ça c'est merveilleux ça. Il donne ou elle donne pour que les pasteurs la félicitent ou le félicitent. Ou pour que l'Église les félicite. Voilà les cas d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Quand ces gens-là ont vu comment Barnabas avait donné, et puis bon, voilà, ils se sont dit, oh, mais comment Barnabas a donné, on l'a acclamé, on va aussi aller donner. Ils n'ont pas donné avec le cœur. Et ils viennent comme ça, ils commençaient à mentir au prof, à l'homme de Dieu. Mentir, ils mentaient. Beaucoup de gens qui mentent même dans le donné. Ils mentent. Et l'homme de Dieu dit, mais pourquoi vous avez menti? C'est votre argent, vous n'avez pas pu mentir et tout. Immédiatement, mort. Dans Matthieu chapitre 6, verset 1 à 2, Jésus dit, prenez garde. C'est que vos actes, vos actions ne soient pas pour vous attirer la gloire, pour vous attirer des acclamations. Prenez garde. Et il dit, si vous faites cela, vous avez déjà votre récompense de la part des hommes. Parce que lorsqu'on vous acclame, c'est déjà la récompense pour vous. Alors n'attendez pas la récompense du Père. Nous ne faisons rien pour être acclamés. Je n'ai pas besoin d'être acclamé par qui que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Je dois vous dire que produire
le MAP en anglais, l'APM en français, ça consomme du temps. Beaucoup de temps. Qu'est-ce que l'acclamation des gens me fera? Rien du tout. L'hypocrite adore Dieu, mais avec les lèvres, pas les cœurs. On a beaucoup de gens, on a beaucoup d'hypocrites ici. Ils disent des choses de la bouche, mais dans le concret, on ne voit rien. C'est ça l'hypocrite. Ils font des grandes promesses à l'Église. Des grandes promesses pour impressionner. Mais dans la pratique, rien. C'est comme la Bible déclare, n'aimez pas en parole seulement. Mais il faut aimer en acte et en vérité. Marc chapitre 7, verset 6. Je peuple mon nom des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Voilà. Alors, il y a des dangers de l'hypocrisie. Premier danger, un hypocrite ne sera jamais récompensé par le Seigneur. Il ne récompense pas les hypocrites. Voilà. Je prie que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui soit délivré de l'hypocrisie. Je prie que tu ne sois pas mentionné parmi les hypocrites, que ce soit dans l'église ou dans la famille. On a des maris qui sont hypocrites, on a des épouses qui sont hypocrites. De l'extérieur, on voit qu'ils sont des prières, des femmes de prière, des hommes de prière, mais au fond, rien. Autre chose à dire, les dangers, le deuxième danger de l'hypocrisie, c'est que l'hypocrite ne sera jamais heureux. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont toujours en train de murmurer, murmurer, se plaindre à tout moment. Voilà pourquoi? Parce que ce qu'ils font, ils ne le font pas avec leur cœur. Quand tu fais ce que tu fais avec ton cœur, il n'y a aucune place pour le murmure. Alors, j'ai une parole pour toi ce matin. Je prie que ton adoration ne sera pas vaine. Je prie que ta prière ne sera pas vaine. Je prie que tes offrandes ne seront pas vaines. Je prie que ton ministère et même ta vie sur la terre ne sera pas une perte de temps. C'est ça ma prière. Que faire? Que faire? Simple. Engage-toi, décide-toi à partir de maintenant de faire tout ce que tu fais avec ton cœur. Voilà. Colossiens chapitre 3, le verset 23, David dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Or, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense. Donc, Dieu récompense ce que tu fais de bon cœur. Fais-le avec ton cœur. Voilà. Si tu veux être récompensé par le Seigneur. Bon, voilà, quelqu'un peut me poser la question, mais pasteur, comment savoir que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour faire de bon cœur? Comment savoir que ce que je le fais de bon cœur? Alors, je vais te donner quelques indications et puis on va clôturer aujourd'hui. Première indication, si tu veux savoir que ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur, premièrement, fais-le avec joie. Tout ce que tu fais avec ton cœur, naturellement, tu le fais avec joie. Sans complainte, sans murmure. C'est ça la preuve que ce que tu le fais avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, la Bible déclare que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Sans plainte, sans murmure. Voilà, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans plainte. Donc, tout ce que tu fais avec ton cœur, tu le fais naturellement avec joie. Voilà, c'est ce que je veux te dire ce matin. Si tu veux que le Seigneur te récompense, fais ce que tu fais avec joie.
Ce n'est pas seulement pour les choses des dieux, pour les ministères, pour l'église, mais à la maison. Quand tu sers les gens à table, sers avec joie. Tu sers les autres, ton mari, ton épouse, tes enfants, sers avec joie. Regarde comment tu sers, regarde comment tu sers. Toi-même, vois. Tu déposes les assiettes, tu boudes tout le monde, tu déposes, boum, 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 tu fais du boucan autour de toi. Vous êtes là assis, moi je suis comme votre servante, moi je dois être en train de vous laver les assiettes. Et puis voilà, lui, venez manger, hein. Si vous ne mangez pas, c'est votre problème. Vous me prenez comme votre domestique dans cette maison. Qui t'a dit de le faire? Tout ce que tu fais sans joie n'a aucune récompense. Tu m'entends? Vous savez, j'ai beaucoup de sessions, beaucoup de réunions chaque jour. Et je l'ai toujours dit. Et une chose vraie, je dis à Dieu, je le fais toujours avec joie. Je peux être fatigué. Même lorsque vous me voyez comme ça, peut-être je suis là devant vous. Vous ne savez pas quelle fatigue je peux avoir ce matin. Je ne savais pas. Je dois être là. Je dois prêcher la parole. Je le fais avec joie. Je ne murmure pas. Reçois la grâce de tout faire avec joie au nom de Jésus. Deuxièmement, tu savoir que si tu fais avec joie, par exemple, vous avez, tu le fais avec intelligence spirituelle. Ça veut dire que tu fais avec compréhension. Tu comprends ce que tu fais. La Bible déclare dans Psaume 47, verset 7, la Bible dit, chantez des louanges au Seigneur avec intelligence. 1 Roi 3, 9, Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Et quand il a demandé la sagesse, Dieu a dit, waouh, je te donne. Et Dieu était content dans 1 Roi chapitre 3, verset 10. Numéro 3, ce que tu fais avec ton cœur, tu le fais avec diligence. Fais-le avec diligence, non pas avec paresse. Il y a des gens qu'on voit ici, tu lui donnes un travail, tu vois même comment il fait ce travail-là, tu dis, mais c'est pas possible. Paresseux. Il n'est pas diligent. Il n'est pas diligent du tout. Dieu ne peut pas récompenser ce que tu fais avec médiocrité. Il peut pas. Reçois la grâce d'être diligent dans tout ce que tu fais. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Voilà. Fais-le avec ta force. Fais-le avec ta force. Fais-le avec ta force. C'est la preuve que tu fais avec ton cœur. Quatrièmement, fais-le avec excellence, pas avec médiocrité. Tout ce que tu fais avec ton cœur, tu le feras avec excellence. Il y a des gens qui sont trop médiocres. La médiocrité, c'est une preuve que ton cœur n'est pas là. Quand ton cœur est dans quelque chose, ça se reflétera par l'excellence avec laquelle tu fais ce que tu fais. Malachie, chapitre 1, verset 8. Dieu parle et dit aux gens qui viennent donner des offrandes à Dieu, il dit, vous donnez des aveugles, vous donnez des offrandes des boiteux, des perclus, et vous allez donner ça comme offrande au Seigneur. Dieu dit, ben, va donner ça à ton gouverneur, sera-t-il content de toi? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Tu offres à Dieu des choses médiocres. Et j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas offrir à Dieu des choses médiocres. Voilà pourquoi même tout ce que je fais, tout ce que je fais pour la gloire du Seigneur, je refuse de le faire avec médiocrité. Je refuse la médiocrité. Reçois la même grâce au nom de Jésus. Voilà, ce que tu fais avec ton cœur, finalement, tu le fais de fond en comble. Tu ne le fais pas superficiellement. Il y a des gens qui sont superficiels. Même les prières que nous postons dans les groupes et tout, il y a des gens qui sont superficiels. Superficiels. Ils ne prennent pas le temps de lire, d'aller point par point. Ils survolent et puis à la fin, ils tapent Amen.
Et la Bible dit dans Psaume chapitre 9, verset 1er, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Voilà. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais de tout ton cœur? C'est ça la question. Ou tu le fais avec un cœur divisé? Alors j'ai quelques conseils à prodiguer à quelqu'un. Premier conseil, tout ce que tu fais, vois-le comme tu le fais pour le Seigneur, pas pour les hommes. C'est ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Il dit, comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. Donc ne considère pas ce que tu fais comme si tu le faisais pour les hommes. Non, considère que je fais ceci, je le fais pour le Seigneur. Je ne viens pas ici pour l'APM, pour plaire aux hommes. Non, je le fais pour le Seigneur. Donc c'est ça le premier conseil que je te donne. Et c'est un conseil gratuit. Je crois que ça va t'aider à savoir à comment gérer ton cœur. Deuxièmement, tu dois croire que Dieu va te rémunérer un jour. Parce qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire que tu dois te rassurer que dans tout ce que tu le fais avec ton cœur. Hébreux 11, 6, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et voilà, le dernier conseil que je peux te donner, c'est que tu dois t'attendre à la récompense du Seigneur, pas des hommes. Colossiens 3, 24, Paul dit, sachant que tu recevras du Seigneur les récompenses. Donc, la récompense, ce n'est pas. Bon, voilà. Si tu travailles quelque part, tu attendras de ton boss le salaire. Mais Dieu n'a pas de salaire. Il a la rémunération. La rémunération va au-delà du salaire. Voilà. J'ai voulu vraiment parler à ton cœur ce matin et je prie que tu vas devant le Seigneur. Juste fais une introspection dans tout ce que tu fais. Comment le fais-tu? Est-ce que tu le fais avec joie? Est-ce que tu le fais de bon cœur? Ce que tu fais, est-ce que tu le fais totalement? Est-ce que tu es diligent dans ce que tu fais? Pose-toi cette question. Autrement dit, tout ce que tu seras en train de faire, ce ne sera qu'une perte de temps. Parce que Dieu ne va jamais récompenser, il ne récompense jamais les hypocrites. Peut-être que tu fais pour que le pasteur sache que j'ai fait, le pasteur sache que, ou le prêtre sache que je fais, ou que l'église sache que je fais, que tout sache que je suis en train de faire. Dieu ne récompense jamais ces choses. Voilà pourquoi il dit, même quand tu jeûnes, ne sonne pas la trompette partout que tu es en train de jeûner. Je suis en train de jeûner pendant 21 jours. Voilà, pour que les gens t'acclament et disent, oh, cet homme est spirituel. Quand tu fais ça, tu as déjà la récompense. Seigneur, bénis mon peuple là où ils sont, au nom de Jésus. Ta main sur chacun et chacune, au nom de Jésus. Reçois la grâce aujourd'hui de faire tout avec les cœurs. Les cœurs, au nom de Jésus. Sois béni partout où tu m'as suivi. Si tu as été touché par la parole, contacte-nous, on va prier pour toi. Si tu as des choses cachées que tu pour lesquelles tu as quelques petits problèmes, voilà, on peut toujours t'assister dans la prière. Merci. On se voit demain pour le troisième jour de l'enseignement sur les cœurs. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Merci, Belvida. Tu peux nous conduire dans la prière pour clôturer. Non. Soyons sincères. Parce que Dieu regarde. Dieu nous voit. Dieu connaît nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons prendre donc les points de prière pour prier ensemble ce matin pour clôturer, pour clore cette odette de prière de ce matin. Alors, point de prière numéro 1. Seigneur, aide-moi à tout faire de bon cœur. Mon frère et ma sœur, prie. Oui, Seigneur, aide-nous à tout faire de bon cœur, avec joie, compréhension, avec diligence et avec excellence, et avec tout notre être, avec tout mon être, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à tout faire de bon cœur, avec joie, avec compréhension, diligence et excellence. Amen. Amen. Point de prière numéro 2. Seigneur, aide-moi à atteindre une récompense de toi et non des hommes, parce que je sais que tu es le rémunérateur.
Tu es le seul et le vrai rémunérateur de tout bien que l'on fait. Amen. Oui, c'est le Seigneur qui est le rémunérateur de tout bien que l'on fait. Donc, attendons-nous à une récompense venant de notre Créateur, de notre Dieu. Ne nous attendons pas à une récompense venant des hommes pour ce que l'on fait, même pour ce que l'on fait pour les hommes. Oh oui, Père éternel, aide-nous à nous attendre à toi, à attendre notre récompense de toi et de toi seul. Amen. Amen. Pour notre prière numéro 3, Seigneur, aide-moi à être joyeuse, à être une donneuse joyeuse, délicieuse, heureuse, heureuse de donner. Oui, que mon cœur soit en joie quand je donne. Que mon cœur soit heureux. Oui, Père éternel, nous t'en supplions. Transforme, transforme encore. Fais cette œuvre de transformation de nos cœurs. Viens le faire en nous. Que ton Esprit Saint-même nous anime. Amen. Amen. Alors, si cette exhortation, cet autel de prière matinale t'a fait du bien, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de souscrire, parce qu'il y a d'autres enseignements, même s'ils sont en anglais, ça peut te faire du bien aussi, du pasteur. Et n'oublie pas aussi de partager, parce que ce message t'a béni. Alors, n'oublie pas d'être une bénédiction pour quelqu'un. Partage pour pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Seigneur. Et n'oubliez pas, gardez à l'esprit ces points de prière de ce jour, de ce matin, pour que ça puisse encore faire des merveilles dans nos vies, pour que nos cœurs soient encore une fois transformés. Oui, voilà ce que Dieu veut pour nous. Amen. Alléluia. À demain. Merci.